Yep, tout le monde, Sébastien Mégis 83, 260, nous nous retrouvons sur Rad 25. Donc ne vous inquiétez pas, hier, toute la journée, je n'ai pas pu, j'ai eu quelques petits problèmes. Donc nous allons continuer à voir ce cher, enfin, les nouvelles maps de ce cher, nouveau DLC. Donc on va tester une map qui nous vient de, je ne sais pas. Et hier je vous ai montré le genre de robot tank qui sera dans BO3. Et là donc on va se retrouver sur la carte Sky Ra non Sky Race. Enfin bref, je n'arrive pas trop à le prononcer. Et nous sommes toujours en maintien mort par équipe. Malheureusement, on peut que le faire en match à mort par équipe. Exo sur activé. deux. Éliminez les ennemis. Comment dire? On est plus en Oh tête. non, sérieux, t'es pas sérieux là. La map de BO3. De BO3, moi, de MW2. Ah, stylé. On a le contrôle. La map de MW2, elle est stylée. En fait, y a rien qui a changé en fait. Enfin, si, peut-être que oui, mais voilà, mais là c'est tout simplement, c'est il est magnifique quoi, ce jeu. Drone ennemi activé. Honnêtement, on pouvait pas monter là, on pouvait pas monter, on avait besoin de faire une technique pour monter en haut et tout. Là, tu fais à peine ça, hop, tu fais ça, et enfin, t'es déjà sur le chariot quoi. C'est. On se faisait chier pour monter et tout, ici aussi. Hop, t'as juste à faire un saut et après plus t'y es, quoi. C'est trop. C'est bien, magnifique, quoi. Après, en espérant que dans Black Ops 3, il y aura toujours, d'après ce que j'ai appris, Necktown, quoi. Notre carte préférée dans les BO, dans les Black Ops, c'est Necktown. On n'est plus en tête. Et j'espère qu'il y aura aussi toujours, vous savez, celle qui Ferin Range. On a pris l'avantage. Voilà. Celle-là, elle est stylée, Ferin Range. Donc j'espère la revoir rapidement dans BO3. Ça serait m'intéresser de le revoir. Donc une magnifique map, je ne sais plus trop comment elle s'appelle dans Black Ops, dans Black Ops 2, voilà, Black Ops 2, bon, qu'est-ce que je vous dis, je ne sais plus comment elle s'appelle dans MW2, cette map là, mais c'est une très très belle map qui est franchement franchement magnifique sur AW. Donc je trouve ça très sympa qu'ils l'ont mis, et peut-être que là j'ai joué un peu plus à Grand Sarfa, bien entendu, car il y a ma map préférée et il en faudrait plusieurs aussi, plusieurs de comme ça quoi, comme ça nous rappellera ce cher MW2 qui nous était tant cher, et on se faisait chier à monter nos prestiges et tout. Là on n'a plus besoin, on se faisait chier à monter sur les trucs, on se faisait chier à monter je ne sais où, tout ça c'est merde. Oh putain, est-ce qu'on peut toujours aller sur la grue là-bas? On va quand même tester. On sait jamais. On va tester si on peut aller sur la grue. Ah ouais, ici on peut toujours monter. J'avais complètement oublié ce truc là. Hop. D'accord. Pourquoi ça m'a éjecté de l'autre côté? Je ne sais pas du tout. Enfin bref, ça arrive.
Donc, on va juste envoyer au hasard. Voilà. What the fuck, la cible est sous terre, d'accord. Elle est à terre, mais elle est pas sous la terre. Donc elle est sous terre. Logique de ouf. Le mec est, je crois qu'il... Non, il campait pas. Il nous a contourné en fait. Ça fait un bail en plus que j'ai pu jouer sur cette main. Tiens, du coup ça me donne envie de jouer à W2. Alors apparemment, on va en avoir un là-bas. Élimination réussie. Voilà. Et juste pour casser les couilles. Sauf qu'il est déjà mort. Hop. Notre drone est activé. Putain, j'arrive pas à jouer. Et comme ça, ouais. Hop. Normalement, si je me souviens bien, non. Avant, on pouvait, je crois, monter dessus. Ou si quelque chose, il y avait un mur invisible. Tu pouvais monter dessus, c'était assez. Je marque les coordonnées du colis stratégique. Sympa. Ok, what the fuck. On a tout ce qu'on peut. Allez, je tire en premier, c'est moi qui meurs. Non, mais c'est quoi ce truc mal foutu? Putain, et en plus il y a plein de trucs là, c'est marrant. Est-ce que... Non. On peut pas le faire. Alors si je me souviens bien, il fallait monter là. Il fallait faire ça. Et hop, voilà. Et là, on est calé en haut. Poseille. KLM. Sauf qu'il y a quelqu'un qui m'a tué. Un sniper. On est en train de perdre. Il a failli se la prendre. La Syntex. Drone de reconnaissance ennemie détecté. Malheureusement. C'est très malheureux. Mais... Putain, mais on dirait que on peut plus sauter comme avant. Drone ennemi au-dessus. On peut plus aller sur la grue. Ça je trouve ça bête. Là-bas je vois quelqu'un en dehors de la map. J'ai quelqu'un qui est en dehors de la map carrément. Ou alors c'est peut-être un petit rêve ou je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Alors là, déjà. C'est abusé. Allez, mais comment il arrive à m'avoir sans reculer avec son. Ça merde. Bombardier ennemi en approche. Allez, tu vas pas me dire qu'il en a déjà un de bombardier encore. En tout cas, son bombardier. Je peux plus fermer ma gueule, j'allais dire qu'il m'avait pas vu. Pas eu, pardon. En fait, il m'a eu. Lol. Même pas, il passe à côté ce con, il le voit même pas. Voilà, bon ben j'espère que l'échec de la mission vous aura plu. Repli sentinelle. Là on a découvert la map de temps, on la connaissait si bien cette map de MW2, donc la revoilà de nouveau sur Advanced Warfare. Donc voilà, ben je vous dis passez une très très bonne vidéo, une très très bonne journée, et puis je vous dis, j'ai fait du 9-23, c'était un petit peu
de la merde. Mais après, ça peut toujours s'arranger. Donc, je vous dis à la prochaine. Ou à tout à l'heure. Peace out.